Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle mini-série de vidéos que je fais spécialement pour vous. Vous le savez, quand je voyage, je m'enrichis de toutes les cultures, ce qui me permet d'élargir ma vision du monde et surtout ma vision de la vie. Et je pense toujours à vous, et c'est pour vous que je fais ces vidéos. Avez-vous entendu parler de la sérendipité ? La sérendipité est l'autre expression pour les découvertes accidentelles. Vous avez planifié de faire quelque chose et, au malheur, vous obtenez un tout autre résultat. Cependant, ce n'est peut-être pas si malheureux que ça. Beaucoup de découvertes et d'inventions sont les fruits de la sérendipité. La pénicilline, la lithographie, le four à micro-ondes, le post-it. On bossait sur un truc et on tombe sur autre chose. Et les surprises sont parfois merveilleuses. Et ce qui fait de la sérendipité une attitude positive, c'est l'ouverture d'esprit nécessaire pour découvrir, c'est ouvrir son esprit pour accueillir l'inattendu, même si cela ne va pas dans ce sens que vous aviez prévu. Les gens qui ont du succès savent utiliser en leur faveur la sérendipité. Ils sont capables d'accueillir l'imprévisible et de créer de nouveaux projets autour de cette découverte impromptue. C'est une des qualités des optimistes. Alors ici, je suis en route pour le Japon et il s'avère que pour y aller, il y avait une escale de 16 heures à Moscou. Oui, regardez, je suis sur la place rouge avec la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux derrière moi. C'est somptueux, magnifique. Et vous savez, je ne m'étais jamais venu à l'esprit de venir ici. Alors que s'est-il passé pour que j'y sois quand même ? Eh bien, c'est simple. Puisque la compagnie aérienne m'imposait de l'immobilisme de 16 heures d'escale et que j'ai horreur de l'immobilisme, je me suis fait la réflexion suivante. Au lieu de rester dans les murs d'un aéroport où j'aurais vite fait le tour, pourquoi pas ne pas mobiliser un peu plus d'énergie pour transformer cet immobilisme en moment de découverte et de divertissement ? Mais ça ne s'est pas fait comme ça, j'ai dû bouger mes fesses pour y arriver. Sortir de l'aéroport pour une journée m'a obligé de me procurer un visa. J'ai donc dû me déplacer à l'ambassade, remplir des formulaires, contracter une assurance spécifique, faire face à des visages fermés, des fonctionnaires russes, enfin, vous voyez où je veux en venir. Même si le hasard a été un facteur clé de ma présence ici, j'ai quand même dû faire quelque chose, j'ai dû agir, décider de faire quelque chose et bouger les fesses pour construire quelque chose et faire de cela une opportunité. Et je peux vous dire, je ne le regrette pas. Quel merveilleux spectacle! Dans la vie, c'est pareil. Il nous arrive parfois de rencontrer des contraintes ou que nos projets semblent perturbés par des obstacles qui viennent freiner notre élan et ternir notre enthousiasme. Eh bien, adopter une attitude optimiste, c'est réussir à rebondir et faire de cet obstacle une étape sur votre chemin et en prime, prendre du plaisir sur ce détour. C'est en faire quelque chose de constructif, même si au premier abord, cela vous semble aller dans un sens totalement opposé. Et n'oubliez pas, une étape, ce n'est pas la fin d'un projet, mais ce n'est qu'un jalon sur votre route. Un jalon qui va vous enrichir si vous savez l'accueillir à bras ouverts. Alors moi, je vais vous laisser, je vais profiter de ces quelques heures qui me restent pour m'en mettre plein les yeux et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, le prochain, où je vous parlerai depuis Tokyo. Allez, à très vite, ciao. Eh bien, adopter une attitude optimiste, c'est réussir à rebondir et faire de cet obstacle une goutte qui découle, une goutte qui...